Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 29 janvier. Depuis plusieurs années, les opérateurs de télégraphie sans fil ont été intrigués, soit de jour, soit de nuit, par de mystérieuses interpolations de leurs signaux. Ces interpolations prennent la forme de combinaisons de lettres sans signification apparente. On les notait déjà avant la guerre et depuis le retour de la paix. Elles ont été soumises à de sérieuses investigations. Une des particularités de ces communications, de sources inconnues, est qu'elles ne sont pas spéciales à une contrée, ni même à un continent. Les opérateurs, dans le silence de leur cabine, ont entendu les signaux mystérieux simultanément à Londres et à New York. Monsieur Marconi, l'éminent auteur-inventeur auquel la télégraphie sans fil doit son entrée dans la pratique, a fait à ce sujet la déclaration suivante à un envoyé de notre confrère anglais, le Daily Mail. « Nous notons, de temps à autre, des sons très clairs et des interruptions provenant de quelque part en dehors de la Terre. Jusqu'à présent, nous n'avons pu obtenir la plus légère indication » concernant l'origine de ces interruptions. Il est possible de concevoir qu'elles sont dues à quelques perturbations naturelles se produisant à une grande distance, telle qu'une éruption dans le Soleil, et qui pourrait causer ici-bas des troubles électriques. Comme on lui demandait si, à son avis, il était possible que les interruptions signalées aient pour origine des tentatives de la part d'une autre planète de communiquer avec la Terre, M. Marconi répondit « Je n'écarte aucune hypothèse, mais n'existe pas d'indication permettant d'incliner en faveur de l'une ou de l'autre. Il est possible que ces signaux viennent d'une autre planète. Il est possible qu'il y ait une origine toute naturelle. Nous devons pousser nos investigations beaucoup plus à fond avant de pouvoir risquer une explication quelconque. Peut-être sommes-nous à la veille de la plus formidable découverte qu'ait jamais faite de la race humaine. Peut-être allons-nous apprendre que, dans les profondeurs de l'espace, d'autres êtres pensent et travaillent. Qui sait ? C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.